Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du deuxième DLC de Just Cause 4, parce que le premier, en fait, c'était un DLC par rapport à des courses, je pensais que c'était pas forcément intéressant de vous le présenter, mais celui-ci, j'avais vu une petite vidéo, ça avait l'air plutôt pas mal, du coup, bah voilà, je vous la présente en vidéo, ce DLC, en espérant que ça vous plaise, voilà, il se remet en forme, ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'avais fini le jeu à l'époque, au mois de décembre, donc comme d'habitude, si la vidéo découverte vous plaît, bah n'hésitez pas à le dire, vous me direz ce que vous pensez du DLC, comme d'habitude, hein. Pour chaque DLC, moi j'ai la version Ultimate, en gros il y a tous les DLC qui sont compris dedans, mais sinon je crois que c'est à peu près 14€ ou 19€, on va découvrir tout ça, on va voir si le DLC pour le début est intéressant ou pas, et après pourquoi pas, si vous voulez voir une suite en vidéo, surtout que cet été il n'y a pas grand chose qui sort durant ce mois de juillet, bah vous me le dites, ça fera une mini-série de peut-être 5 épisodes, parce que c'est assez court, voilà, donc au niveau de la map, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, oups, excusez-moi, je suis loupé, elle est comme ça, assez simple. Et en fait, c'est tout en haut, voilà, c'est ici, voilà, attendez, hop, l'artefact. Javi a reçu un message troublant de la part d'un ancien collègue. Retrouvez Javi et découvrez ce qui le perturbe. Donc on va le faire, je vais y aller, on va faire des ellipses durant cette vidéo. J'ai oublié de préciser, nous sommes sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, mais c'est également disponible sur Xbox et sur PC. Le DLC est sorti le 3 juillet 2019 d'après jeuxvideo.com. Et on se retrouve dans quelques instants, une fois que je serai arrivé. La cible est à portée de vue, en espérant ne pas se fail. Je suis obligé un petit peu à me balader pour mémoriser les touches, parce que bah, forcément, ça fait quelques mois que j'ai pas joué au jeu. Du coup, bah voilà, pour savoir comment on juge ceci ou cela, attention. Et vous savez quoi, on va faire un atterrissage. Le mec, il va se demander comment on a fait. Attention, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes... Eh, alors, franchement, on est arrivé sur la cible, c'est tout comme. Bref. Comment on active ça? Hop, avec triangle, c'est parti. Ravi! Un archéologue nommé Valencia m'a invité à prendre part à ses fouilles. Sur cette île. Votre vieil ami. Valencia sait que je suis la dernière personne à Solis qui accepterait de l'aider. Mais il m'a quand même demandé. D'accord, faut monter dans l'hélicoptère, montez, c'est parti. En route pour Isla de los Anillos. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il me vouvoie. Ça me plaît. Voilà. Attention, jeune homme là qui était pas loin. Merci d'avoir accepté de venir, Rico. Ça concerne peut-être pas Autorongo, mais je crois que c'est important. Mon ancien collègue Valencia m'a dit qu'il était sur la piste d'un ancien artefact. C'est quoi le problème? Simon vient d'une famille riche. Et il emploie souvent la main noire pour assurer sa sécurité. Il traque des artefacts rares et les vend aux plus offrants. Simon réussit toujours à fixer un prix sur ce qui n'en a pas. Alors pourquoi vous voulez l'aider? Je veux pas. Je veux l'arrêter. Parlez-moi de cette île. Isla de los Anillos. Elle abrite une nécropole qui a été découverte il y a des années. Et Valencia veut quoi? J'en ai aucune idée. Les archéologues pensent qu'il s'agit d'un ancien site funéraire. Pourtant, tous les sarcophages étaient vides. Ça veut rien dire de bon tout ça. Comme d'hab, hein, vous connaissez la routine, dès que ça parle, oui. Bah moi je me tais. Ce site est l'un des plus vieux de Solis. Près Espinosa, près Autorongo, près tout. Et Simon m'a dit qu'il avait fait une découverte incroyable. Il m'a dit de le retrouver au poste d'observation situé au bord du cratère. Posez-nous là, s'il vous plaît. C'est ce que je me demandais justement. Où est-ce qu'il fallait se poser? Parce que si je me pose là où il faut pas, ils vont dire ouais, mission échouée. Ah, un bon bout de map en tout cas. Hein. Ça, avant c'était pas accessible, il me semble, si je dis pas de bêtises. Attention, vous connaissez, moi les hélicoptères, ça fait 40. Voilà, on atterrit tranquille. Je vais aller jeter un œil. Bah ouais. Rico, essayez de pas perturber le site plus que nécessaire. Merci. Mais t'inquiète. Oh là là, c'est bizarre ça. Bon, après avec moi. En même temps, il m'a recommandé, il m'a appelé, il a besoin de moi. Attendez, il sait que ça va finir en bain de sang. Mais ça donne un petit rendu Tomb Raider, ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose, Ravi. Regardez les cercles qui entourent la cité, Rico. Étrange. Je vous écoute. J'ai trouvé le journal de Simon, mais pas Simon. Voyons voir. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Comment? Non. Désolé. Simon cherche quelque chose. Un artefact. Bon, on va y aller, hein. On n'a pas le choix. Par contre, je sais pas du tout la durée de vie. J'ai trouvé une grande arche.
Je n'ai aucune idée. Trouvez un moyen de la déplacer, Rico. Alors, on doit faire vite. Valencia a peut-être déjà plusieurs longueurs d'avance sur nous. Ouais, bah tu vas te calmer. Faites pivoter le cercle, mais... Faites pivoter le cercle. On va se calmer deux petites secondes. Voilà. Laissez-moi me mettre à hauteur pour que je puisse analyser tout ça. Peut-être que... Ça bouge, Ravi. Voilà. Il faut que je me remette les automatismes du jeu. C'est bon ? Attends, on va voir si faut continuer ou pas. Je pense qu'on est bon là, à ce niveau-là. C'est bon pour celui-ci, on est d'accord ? Non, là ils me disent bien de faire pivoter le cercle, donc celui-ci. Attendez, on va voir si... Voilà. Parce que dès qu'on en fait pivoter un, hein, logiquement, on les fait tous pivoter. J'ai bien dit logiquement. Hein. Vous connaissez, moi, les énigmes. C'est pas forcément ça. C'est quand vous voulez, hein. Y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. On s'amuse. C'est la rigolade. On va même aller plus vite, si on peut. Bon, ces ballons-là, je pense pas que ce soit les meilleurs à utiliser. Ok, l'arche est en place. Mais j'ai complètement oublié les notions du jeu. Vraiment, je sais pas si ça vous fait pareil à vous aussi. Quand vous arrêtez de jouer à un jeu pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, bah après, vous n'y arrivez plus. Ça m'avait fait pareil à l'époque pour... Oh. Ça m'avait fait pareil à l'époque pour Horizon Zero Dawn. Dès qu'il y avait le DLC, j'étais complètement perdu. Ravi, c'est le dernier cercle. Enfin. Ça a pris au moins 5 minutes. En fait, c'était pas compliqué, hein, mais c'était juste long. Bon, voilà, on a tout aligné. Bah, bien sûr. En même temps, je vais tout faire, donc... Mais ça va, Oh, ok. Il est poli dans sa demande. Donc moi, ça me dérange pas, tu vois. Quand t'es poli... Allez, on passe dans le trou. On est là pour faire le show. On est là. Bah, bien sûr que ça réussit. En même temps, je donne pas des trucs compliqués à faire, pour l'instant. On y va. Attention. J'y suis. Vous devriez voir 4 piliers. Et une sculpture en pierre au milieu. Voyons voir. D'après les notes de Simon... Oui. Est-ce qu'il y a des leviers sur les piliers ? Ouais. Vous pouvez tirer ces leviers ? Avec plaisir. Alors on va voir. Avant toute chose... Où sont les leviers ? En question déjà. Oui, ok, j'ai compris. Y a pas de souci. Moi, j'appelle pas ça un levier, mais pourquoi pas. Il faut tirer tous les leviers, Rico. Ah bah laisse-moi le temps là, par contre. Tu deviens dissident. Et j'aime pas ça. J'aime pas ce ton autoritaire. Au début, ça allait. Voilà, c'est comme une bonne amitié, tu vois. Au début, ça va, c'est la politesse, et après... Il n'y a plus de politesse. Il n'y a que des ordres. Il y a des embrouilles. Faut pas que tu l'oublies que c'est moi qui ai une arme, hein. Attention, la dernière. Et voilà. C'est bon, on a réussi. Mais franchement, là, on est vraiment à l'opposé d'un Just Cause où... Bon, on utilise le grappin, donc c'est très bien. Mais généralement, un Just Cause, voilà, tu tires à tout va et tout. Une arme. Ça doit être l'artefact de Simon. Ah oui, d'accord. Moi, je regardais la sculpture et tout. En fait, là, il fallait récupérer une arme, tout simplement. Vous l'avez trouvé. Je savais qu'il était là. Simon Valencia. Ravi vous a parlé de moi ? Ouais. Vous êtes l'idiot. Et vous, vous êtes celui qui a fait le sale boulot à sa place. Lâchez l'arbalète. Merci de m'avoir rendu service. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Tu as toujours compté sur moi pour faire le vrai travail. Tu ne sais pas ce que tu fais, Simon. D'après mes conclusions, cet objet renferme un des plus grands trésors du peuple Katcha. Qui est l'idiot maintenant ? Ravi ! Courez ! Là, c'est du Just Cause. Ah, par contre, c'est un peu chelou leur truc là.
En même temps, c'est à cause de Simon. Ah oui, avec des bêtises. Attendez, je me cache ici, moi, personnellement. J'avais dit, juste avant, voilà, c'est pas forcément Just Cause, ça, parce que, bah... Moi, Just Cause, faut que ça tire, faut que ce soit un peu what the fuck, voilà. Ouais, bah, laisse-moi m'occuper de vite fait. Et je crois que je suis bien là où je suis. Oui. Où est-ce qu'elles sont? Tiens. Et toi là. Tiens, toi aussi. Vilaine bête. C'est bon, on a réussi? Tout va bien? Oui. Ces choses ont fini par arrêter de me poursuivre. Il y a un hélicoptère ici. Vous pouvez retourner sur le continent. Alors, où est l'hélicoptère? Oui, l'hélicoptère. Vous savez pas piloter un hélicoptère? Ne vous inquiétez pas, je vais voir. Bah, faites vite, faites vite. Je fais vite que je peux. Franchement, le changement de level design, là, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup. Bon, bah, par contre, là... Ok, c'est bon. C'est méga chelou. Voilà, il a tout dit. Avion de chasse et tout, là. Je crois pas qu'elle puisse partir. Tant mieux. Vous avez entendu cette voix, Rico? On aurait dit comme... J'ai entendu, Ravi. Alors vous inquiétez surtout pas, hein. S'il y a un sort de flou... un flou chelou, c'est normal. Allez, c'est le jeu qui le veut. Enfin... Par rapport au côté intérieur. Vite. Enfin, mais il y a un hélicoptère de combat... Ah, d'accord, c'est pour se barrer, en fait. Très bien. On a foutu de la merde. Qu'est-ce que non, que ces trucs, on se barre. Je sais pas, Rico. On dirait un genre d'insecte. Je suis pas biologiste, mais je doute qu'un insecte de cette taille ait vécu sur... Mais what? Je me suis dit, ça va être tranquille, t'es en hélicoptère et tout. D'accord. Javi est mort. Et moi, on s'en fout que je sois mort. Je pense que... Qu'est-ce que c'était que ces trucs, Ravi? Arriver au continent, il faut... Je sais pas, Rico. Il faut être assez haut. On dirait un genre d'insecte. Et après, on va peut-être esquiver, je voilà, on fait un petit peu, voilà, mais la petite danse. Mais je doute qu'un insecte de cette taille ait vécu sur notre planète depuis très longtemps. On peut pas aller derrière nous. Est-ce qu'il y a un truc dans le journal qui dit comment les arrêter? Tout va bien, je pense, tout va bien. Oh, Simon. Il a traduit ce symbole par or. Mais c'est bien fait des frissons. Mais ça veut dire démon. J'ai pas compris pourquoi tard, je me suis fait défoncer en deux secondes, là, il y avait... C'est peut-être que je voulais trop bas et... Ouais, je sais pas. Non. Posons-nous là-bas. J'ai pas envie de me retrouver nez à nez avec une de ces choses. T'inquiète, tu l'as pour te protéger. On dirait qu'ils ont trouvé un moyen de quitter l'île. Alors, atterrissage en douceur, du moins, on va essayer. Ça, les hélicos, je trouve qu'ils se manipulent plutôt bien. Voilà, parfait. Merci. L'artefact terminé. Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien, c'est chelou. Après, ce sera à vous de me dire si la découverte se transforme... Voilà, c'est qui l'imbécile. Si la découverte se transforme en mini-let's play, voilà, le let's play estival, ça peut être cool, parce que moi, personnellement, j'aime bien ce style de jeu, voilà, un petit open world et tout. Ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez une suite, bah, dites-le moi en commentaire. Je le ferai, voilà, je vais pas avancer, là je vais sauvegarder, et puis c'est tout, j'attendrai d'avoir vos réactions en vidéo, et puis sinon, bah je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut!